vraiment, Paca, on va voir ta publicité à la télé? Ouais, ils ont pris beaucoup de photos de moi et ils m'ont fait faire plein de poses. Je vous montre. Ok, baguette magique, je veux une robe. Tout, et voilà. Baguette magique, je veux des chaussures, tout. Ensuite, merci baguette magique. C'était dur, j'étais fatiguée de faire la même chose. Ça a l'air dur d'être modèle. Oui, tu as raison. Mais c'était très drôle. Surtout avec mes parents. Ils étaient là? Oui, ils sont venus me soutenir. Regardez ça. Là. C'est ma maman, papa, mamie jolie et moi. Ta maman est si jolie. Et ton père est trop beau. Becca, tu as de la chance. Tu sais, on a tous de la chance. Parce qu'on a toujours tous nos parents. Ne nous oublie pas, ok? Quand tu seras célèbre et toujours à la télé, passe nos bonjours. Ouais! À quelle heure tu as fini le tournage de la publicité? Je ne sais pas à quelle heure on a fini, mais ça a pris longtemps. Maman! Hé, hey, Becca! Comment ça va à l'école? Ça va bien. Moi! Maman, je vais au vestiaire, ok? D'accord, ok. Sarah. Ouais? On peut parler un moment? Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Waouh! Des chocolats! J'aime ça! C'est pour moi, Banjo? Oui, c'est tout pour toi. Merci, Banjo! Maman, je vais dans les vestiaires! D'accord. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai oublié ce que c'était. Tu oublies si vite? Je vais au vestiaire. Oh, ok. C'était quoi ça? Sarah, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Seb veut me parler. Où est Becca? Elle est en haut. Ça va prendre longtemps? Où est-il passé? Je crois qu'il est dehors. Il doit garer la voiture. Tu as mangé? Oui, j'ai mangé. D'accord. Cara? Seb, le voilà. Hey. Sarah? Sarah, je t'ai fait attendre. Qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps? Tu étais où? Je suis allée à ton ancienne adresse. Cherche Isabella. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Sarah, on ne savait pas que tu vivais là-bas il y a 7 ans. Tu étais aux Philippines à l'époque? Pourquoi tu n'es pas rentrée? Attendez, je vous avais pas dit que je vivais là-bas avant. En plus, pourquoi tu voulais que je vienne ici te parler? On a besoin de ton aide. Mon aide? Oui, parce que tu vivais là-bas quand Isabella a disparu. Peut-être que tu te souviens de quelqu'un, un voisin, qui a adopté un enfant. On pourrait avoir une piste qui prouverait que Isabella était là à ce moment-là. Eh bien, je veux t'aider, mais ça fait longtemps. Tu sais que j'ai une mauvaise mémoire, n'est-ce pas? Mais Sarah, c'est un tout petit quartier. Tu pourrais essayer de te souvenir de quelque chose. Peut-être que tu es celle qui va nous aider à être avec Isabella à nouveau. Non. Non. Pourquoi pas? Je ne peux pas. Je ne peux pas être en retard au club. J'ai trop pris de congés. Si tu es d'accord, on peut payer pour tes jours sans solde. Sarah, on a besoin de ton aide. Tu ne comprends pas, Cara? Comment puis-je t'aider? On est déjà allé dans ce quartier. Et les gens que je connaissais là-bas sont déjà partis. Mais il y a des gens qui te connaissent là-bas. Sarah, tu dois connaître d'autres personnes là-bas. Attends, pourquoi vous me demandez de l'aide? Pourquoi ne pas aller à la police? Sarah, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi ne veux-tu pas nous aider? Non, ce n'est pas ça. Je ne veux pas que vous ayez trop d'espoir et que vous soyez déçus par la suite. Sarah, écoute. On veut vraiment que tu nous aides. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Mmh.
Sarah, qu'est-ce que tu fais là? Rien. Merci beaucoup d'aider mon frère, Sarah. Ce n'est rien. Tu sais quoi? J'espère qu'on trouvera bientôt le kidnappeur d'Isabella. Et quand on le trouvera, j'espère qu'il ira directement en prison. Et j'y pense. Qui, avec toute sa tête, pourrait penser à enlever un enfant innocent? Ce n'est pas un humain, c'est un démon. C'est fou. T'as raison. Cette personne doit être effrayante parce que tu ne sais pas ce que cette personne peut faire. Et tu sais ce qui est étrange? Pourquoi cette personne manipulerait Kara et mon frère si elle sait vraiment où est Isabella? Pourquoi ne la rend-elle pas? Elle n'a pas de conscience. Mais je crois toujours. Je crois toujours qu'on va trouver Isabella. Parce que je sens qu'elle est toute proche de nous. Oh, vraiment? C'est vraiment ce que tu ressens? Attends un peu. Tu sais quelque chose qu'on ne sait pas? Bien sûr que non. Ce que je sais, c'est que personne ne peut cacher la vérité. Et que quoi qu'il arrive, la vérité sortira sur où est vraiment Isabella. Tu as raison sur ça. Tu connais très bien ma famille et moi. Ils savent comment je m'énerve et ils savent que je me défends. Écoute, quand je saurai qui a vraiment kidnappé Isabella, je me fiche de combien elle est mauvaise. Je l'enverrai en prison moi-même. Tu sais, si tu le sens comme ça, imagine comme mon frère et Kara doivent se sentir. Tu as raison. Je suis très sûre que celui qui a kidnappé Isabella va pourrir en prison pour toujours. Donc tu es encore là? Je suis ici avec ma maman. Pourquoi tu es là? Parce que ton papa voulait parler à ma mère. Tu sais, tout le monde nous manque ici. On ne te manque pas, Anna? Non. C'est quoi ça? Oh, ça! C'est notre photo de famille. C'est papa, moi et maman. Regarde ça. Je me sens mal pour eux deux. Ils sont toujours très tristes. Pas comme toi. Même si tu as eu une fausse couche, au moins tu as toujours Becca. Vous êtes si heureuse. Vous vous aimez vraiment. Je peux voir que vous vous aimez vraiment. N'est-ce pas? Désolée. Anna, pourquoi tu as fait ça? Mais j'ai pas fait exprès. C'était pas fait exprès? Pourquoi tu as déchiré ma photo? Pourquoi tu es si contrariée? Ta photo était même pas jolie. Tu te la pètes trop. Tu sais, tu es vraiment méchante. Sors de cette maison. Je dis va-t'en. Tu ne veux pas? Non? Sors d'ici. Becca, c'est... Qu'est-ce qui t'arrive? Becca! Becca, c'est ta jambe! Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Mal à la jambe! Elle est tombée dans l'escalier! C'est une blague? Comment ça pourrait arriver? J'ai entendu les petites se disputer tout à l'heure. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Comment oses-tu? Sarah, c'est une gamine! Elle est tombée, Becca! On doit l'emmener à l'hôpital! Maman! Becca, allez, viens! Et prends ses jambes! Fais attention, Andy, fais attention! Maman. Ok, un... Deux, ça fait trois. Mal. Attention, ses jambes. Attention, ses jambes. Attention, ses jambes. Mon Dieu, attention, faites attention. Alex, qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée attention. Dans l'escalier. Quoi? Allez, on la ramène à l'hôpital. Itaï, prends mon sac. Vite. Dépêche-toi. Anna, poussez Becca dans les escaliers, on y va. Paolo, ouvre la porte. Allez, vite. Allô? Sarah, qu'est-ce qui arrive à Becca? Je l'entends pleurer. Edouard, écoute-moi. On emmène Becca à l'hôpital, ok? Quel hôpital? Dis-moi où tu vas, j'arrive tout de suite. Merci. Edouard, où vas-tu? Je dois aller voir Becca. Hein? Elle pleurait, il l'emmène à l'hôpital. Quoi? Je viens avec toi. Entrez. Ta mère est là. Ferme la porte.
Anna! Dis-moi ce que tu as fait. Maman, j'ai mal. Docteur, ça fait très mal. Maman, j'ai mal. Arrêtez, vous faites mal à ma fille. Désolée, madame, mais je dois m'assurer qu'elle n'a pas de fracture. Attention, docteur, ça fait mal. Chut, ça fait très mal. Ça ne sera pas long, tout ira bien. Maman... Becca? Papa! Qu'est-ce qui t'est arrivé à Becca? Elle est tombée dans l'escalier. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Tu négliges Becca? Maman, pas maintenant! D'accord, on dirait qu'elle n'a qu'une foulure, mais nous devons faire plus de tests pour nous assurer qu'elle n'a pas de blessure interne. D'accord, docteur. Vous pouvez vérifier si elle n'a pas d'autres blessures. Vérifiez tout pour s'assurer qu'elle va bien. Bien sûr, madame, mais maintenant, vous n'avez pas à paniquer. Becca réagit très bien, ok? Docteur... Faites-le, s'il vous plaît. On paiera pour tous les tests. Assurez-vous que Becca est bien. D'accord, ok, on va faire une demande pour le test. Excusez-moi. Ce n'est rien, Becca. Ça va aller. Maman, j'ai toujours mal. Becca, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Hey, Andy, je peux t'aider? Oh, tu peux mettre ça au frigo. D'accord, ok. Au fait, Andy, comment va Becca maintenant? Je ne sais pas encore. J'attends que Seb m'appelle. Je me sens mal pour elle. J'espère que c'est rien de grave. Et Anna, comment va-t-elle? Bien. Elle s'est endormie en pleurant. Je crois qu'elle a peur. Pourquoi est-elle comme ça? Tu vois, Anna a plein de peurs cachées, surtout quand Becca vivait ici. C'est comme si elle se sentait menacée. Elle manque de confiance. Oui, j'ai compris. Mais pourquoi est-elle comme ça? Bon, d'après ce que je vois, Seb aime Anna autant que Becca. Écoute, je connais Anna. Au fond d'elle, elle a peur. Elle a peur d'être mise de côté. Ses vrais parents l'ont déjà quittée. Mais là, ses peurs la remplissent de jalousie et de colère. Mais je crois toujours qu'Anna va changer un jour. Tu sais, Anna est une bonne fille. Je sais qu'elle écoute ses parents. Je ne comprends pas pourquoi elle agit comme ça. C'est comme si... sa colère et sa jalousie pour Becca empirent. Donc, pour le moment, ne lui faisons pas croire qu'elle n'est pas aimée. Tu sais, Andy, t'as raison. Écoute, s'il y a un problème, dis-le-moi tout de suite. Et dis-moi comment je peux t'aider, surtout avec les deux petites. Maman. Oh. Comment va Becca? Un docteur est en train de s'occuper d'elle. On attend les résultats des tests. J'espère juste que Becca n'est pas gravement blessée. Tu as bien raison. Si quelque chose arrive à ma fille, je vais moi-même taper Anna. Sarah... Quoi? Écoute-moi. Tu devrais parler à ta fille. Ton orpheline empire. Fais quelque chose pour ça. On va parler à Anna, mais ne la juge pas trop vite. On n'était pas là quand l'accident s'est produit. Tu sais ce qui s'est vraiment passé? Anna a poussé Becca dans les escaliers. Il y a quoi d'autre à prouver? Tu sais quoi? Si c'était arrivé à Anna, tu serais énervée aussi. Ne sois pas idiote, Cara. D'ailleurs, où as-tu trouvé cette gamine? Dis-moi, dans la poubelle? Sarah, ça suffit. Ne parle pas de ma fille comme ça. Écoute-moi, tu devrais arrêter de défendre ta folle de fille. Si tu veux continuer à la défendre, allez, va-t'en maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Va-t'en! Sarah, ça suffit. Vous deux pouvez en parler au calme, Sarah. Sarah, calme-toi, ok? Ça a toujours été le problème avec toi. Au lieu de parler de tes problèmes, tu t'énerves. Oh, vraiment? Alors je prendrai Becca avec moi et je resterai loin de vous. Vous ne nous verrez plus et on n'aura pas à voir ta fille. Tu sais quoi? Seb, vous feriez mieux de rentrer. On va rester ici avec Becca. Cara, allons-y. On est sous le coup de l'émotion.
On doit se calmer avant de dire quelque chose qu'on regretterait. Qu'on regretterait? Tu sais ce que je regrette le plus? D'avoir laissé ma fille s'approcher de vous tous. Vous m'avez bien entendu? Aucun de vous ne s'approche de Becca. On n'a pas à en arriver là, Sarah. Ta mère a raison. Qu'est-ce que tu vas faire? Partir à l'étranger? Peut-être bien. Tu vas te calmer. On n'a pas à en arriver là. Ce qui s'est passé était un accident. Un accident? Combien il va falloir d'accidents? Je ne laisserai rien de mal arriver à ma fille. Je vais voir Becca avant qu'il arrive quelque chose à la fille de Kara. Je ne pense qu'à la sécurité de ma fille. Oh mon Dieu! Kara. Seb. Est-ce vraiment de ma faute? Kara, ne pense pas comme ça. L'important, c'est que Becca n'ait rien. Je n'en sais plus rien. Pendant une minute, je m'entends avec Sarah et puis on se dispute encore. Est-ce que les choses iront bien entre nous? Kara, j'espère que tu comprends Sarah. Elle aime vraiment Becca. Et bien sûr, en tant que mère, elle ne veut pas voir sa fille souffrir. Elle avait peur. C'est pourquoi elle a réagi comme ça. Tu as raison, je sais ça, mais je pensais... Sarah ne devrait pas encore nous quitter à cause de ça. Écoute, peu importe ce que veut faire ta sœur. Donne-lui de l'espace. Elle est toujours énervée. Et peut-être quand elle se calmera, elle changera d'avis. Donnons-lui du temps. Allô, madame? Madame, je suis désolée. Mais je ne peux pas venir au club aujourd'hui. Tu sais, je dois prendre soin de Becca maintenant. J'essaierai de me rattraper, madame. Ne t'en fais pas, Sarah. Donne-moi des nouvelles sur ce qui arrive à Becca. Oui, madame. On n'a toujours pas retrouvé Isabella. Et papa est mort. Et là, Sarah va nous quitter encore avec Becca. Je vais essayer de parler à Sarah, ok? Je vais tenter de la convaincre. Kara, on doit être unis comme une famille. Surtout maintenant. Cynthia, où est Sarah? On doit répéter avant l'ouverture du club. Bon, Sarah ne pourra pas venir au club, car Becca a eu un ennui. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien, Becca a encore eu un accident à cause d'Anna. J'y vais. Arrête, Benjo, reste ici, ne crée pas d'ennui. Becca et Sarah ont besoin de moi tout de suite. Attends, Benjo! Maman, papa, je suis désolée. Anna, tu ne devrais pas nous dire pardon à nous, mais à Becca. Anna, j'espère que tu te rends compte que c'est très sérieux. Becca est à l'hôpital en ce moment à cause de toi. Que s'est-il passé? Becca faisait encore la belle. Je lui ai dit qu'elle était trop arrogante et elle s'est énervée contre moi. C'est tout. Anna, la violence n'est jamais une solution. J'ai pas fait exprès. Anna, tu dois apprendre à te contrôler. On ne t'a pas éduquée à être en colère contre les gens. On est de mauvais parents pour toi? Tu penses qu'on ne t'aime pas? Si vous m'aimiez, vous devriez me soutenir. Et pas Becca. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est de ta faute. Et on essaye d'arranger les choses. Vous me dites toujours que vous m'aimez, mais je ne le ressens pas, papa. C'est parce que je ne suis pas ta vraie fille. Écoute, Anna, on te traite toujours comme si tu étais notre vraie fille. Tu as toujours fait partie de nos vies. Mais vous n'avez toujours pas oublié Isabella. Et aussi, vous êtes toujours du côté de Becca. Vous ne me croyez pas. Sarah. Tu vas bien?
Honnêtement. Non. Je ne sais pas. J'ai tellement de choses auxquelles je dois penser. Je pense à beaucoup de choses. Et là, Becca a eu un accident. Pour être honnête avec toi, j'ai l'impression que je vais exploser. Tu n'as pas à traverser ça seule. Je suis là pour toi. Tu n'as pas à porter ce fardeau toute seule. Je vais t'aider. Toi et Becca. Tu sais, c'est difficile d'être mère parce que tu ne t'arrêtes pas de t'inquiéter du bien-être de ton enfant. Et même quand tu as très peur, tu ne peux pas abandonner. Parce que si tu fais ça, c'est comme si tu abandonnais toute ta vie. Et quand j'étais au Japon, tu sais, c'était... Je voulais vraiment abandonner, mais... Je n'ai pas pu le faire. À cause de ma fille. J'ai tout fait pour la garder en vie. Mais tu n'es plus seule. Je serai toujours là pour toi. Si j'avais pu vous aider, toi et Becca, par le passé, je l'aurais déjà fait. Sarah. Je vais faire de mon mieux pour toujours vous rendre heureuse et m'occuper de toi et Becca. Sarah. Rappelle-toi de ça. Je suis là pour toi.